Joséphine, j'habite à Paris. Je suis un master spécialisé en management de la fonction achat. Alors, le nom de l'école, c'est Grenoble École de Management. C'est à Grenoble. Mon alternance chez Carrefour, c'est dans la direction des achats non marchands. Je suis assistante au responsable du contrôle de la dépense. Je suis chargée de trouver des pistes de gains et de faire des études en fait pour concrétiser ces pistes de gains. J'ai un tuteur, oui. Il s'appelle Jérôme Journiac. Ça se passe très bien. Il y a un endroit où il faut que je regarde en particulier, vous ? Alors, étant donné qu'il connaît beaucoup de monde, il est partout à la fois. On va essayer d'être aussi brillant que mon alternante, hein. Ça va être compliqué. Toujours à droite, à gauche et... D'accord. Mais il trouve le temps quand même de s'occuper de moi. Je crois que je dois être à mon 6e ou 7e stagiaire ou alternant au sein de Carrefour. Quand vous prenez un alternant, ce qui est important, c'est d'être dans l'écoute. C'est d'avoir du temps à lui consacrer, c'est d'avoir une vraie mission à lui confier. C'est-à-dire le stage photocopie, je pense que c'est vraiment pas rendre service à l'alternant. Une formation en alternance, c'était pour mettre en pratique les apprentissages de l'école, concrétiser les théories. Je crois beaucoup en l'alternance et plus particulièrement dans la transmission de connaissances en fait, auprès de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, parce que s'ils ne se frottent pas à la réalité du monde de l'entreprise, je pense que c'est un peu compliqué aujourd'hui de rentrer dans le marché du travail. C'est quelque part, si tout se passe bien, une pré-embauche en fait. Hein. Les vrais atouts que peut amener Carrefour, c'est la diversité de ses métiers. On part du magasin, de l'entrepôt, du métier informatique, du métier marketing. On peut tout faire chez Carrefour. On peut travailler sur des projets d'envergure, il y a des partenariats internationaux. Ah oui, il y a clairement des opportunités de carrière chez Carrefour. Moi, j'ai eu une personne clé dans ma formation, un tuteur, et il m'a beaucoup apporté. J'ai eu la chance d'avoir des gens bienveillants dans mon début de carrière, et ça m'a aussi beaucoup façonné. Quand je suis rentré sur le marché du travail, c'était important tout ça. Voilà, je crois que j'ai assez dit des choses. Mais c'est vrai, ça va là, du coup, tout ce que j'ai dit. Ça allait.